Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universal Iscat avec Damned. Bonsoir Damned. Bonsoir tout le monde. Et on se retrouve donc pour notre petite guerre pas si bien gérée, hein, où on s'était pris quelques fessées parce que mine de rien on n'est pas complètement omniscient. Bah ouais, non, c'est clair que ça pourrait être mieux. Ouais, et du coup on va gérer rapidement les trucs qui traînent à droite à gauche. Donc ici, on voit que les Mamelouks et les Yéménites sont quand même bien résistants, mine de rien. C'est ça, je bouge mes troupes à Yabra, hein, du coup. Ouais, bah je vais rester sur Qatar. Faut que ce fort tombe et après on sera quand même mieux. Alors j'ai vu qu'il y avait des rebelles en haut, là. Donc on va essayer d'aller s'en occuper très vite fait. Eux, ils vont où, là? Ils vont je sais pas où. Ça, c'est pas occupé, ça. Allez-y. Vous pouvez y aller en marche forcée, s'il vous plaît. Non, c'est pas possible. Ici, on va essayer de poursuivre ces cons. En finir avec eux, ce serait cool. Comment ça se passe ici? Ça se passe pas si mal. Monter sur Al-Harid, tu veux monter sur Yamama? Ouais, je vais à Yamama. Je vais avancer également avec mes troupes qui sont là, là. Ça, c'est la 9ème armée. Hop là, on va prendre le général qui va bien. Ici, on a peut-être pas besoin d'autant de général. Ça, c'est quoi? La 3ème armée. Il va me falloir un général ici pour m'occuper des 32 000 rebelles. C'est quand même 32 000 rebelles, quoi. Allez, pointez-vous. Ah, ici on a un fight. Voilà, il va gérer mon vassal. Enfin, oui, il va gérer. Il va gérer parce que j'ai envie qu'il gère. Non, il va pas gérer, putain, je rêve. Ici on va se scinder. On va avancer doucement. Bon, bah, le temps que le fort tombe, on va piller. Alors, le Mamelouk est en train de s'énerver ici par contre. Hein. Donc normalement il y a quand même quelques forts pour le bloquer mais alors ici on s'occupe de ces cons, voilà. Là on fait des sièges, très bien. Vous, si vous pouviez aller chasser ces débiles, j'apprécierais beaucoup. Enfin ces débiles, je dis ça d'ailleurs. En toute voilà, hein, y a pas de... aucune insulte particulière envers la transoxienne, hein, uniquement envers leur armée dans le jeu, bien sûr. On s'entend bien. Ils sont en train de s'enfuir en plus. C'est bien triste. Alors, eux, ils sont gérés. C'est parfait. On va reprendre leur territoire. Là, ça se passe plutôt pas mal. Techniquement. On va avancer un coup jusqu'au fort avec nos troupes. On peut prendre la tech 29 militaires à 50% de plus, ouais, bof. Ici on a beaucoup d'hommes quand même. Hein. Est-ce qu'ils vont... Regarde plus trop ce qui se passe, hein, t'hésites pas. Non, j'essaye de voir. Attends, ici il y a quand même moyen, on est 40 000 plus 31 000. Ça va aller mieux quand t'auras pris... Voilà, ici on va essayer de se faire une petite bataille, pas trop sale. Voilà, vous arrêtez, vous y allez en marche forcée s'il vous plaît. Chopez-moi ces cons. Alors on a encore du monde qui se pointe. 70 000 Mamelouks derrière là, c'est quand même la violence. Vache, ils sont tellement nombreux, on devrait gagner quand même avant les renforts arrivent. Allez. Oui! On attend, on les accueille. Normalement, ils devraient pas venir, tout de suite en tout cas. Ok, donc là ils viennent. Alors attends deux secondes. Hop, on a trop de points admin, c'est parfait. Développons un truc. Tiens, là ça, il y a du coton, c'est parfait. Hop là, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Là aussi.
commence à me lourder ces points. Voilà, on va bien baisser. Développons le pays. Hein. Voilà. Alors ici, comment ça se passe? On a beaucoup de monde qui se pointe. Donc on a consolidé déjà cette armée là. On va consolider aussi cette armée là. On n'est plus si nombreux. On a personne de proche prêt à aider malheureusement. Donc on va se regrouper déjà. Hop, voilà. C'est quoi comme terrain? On n'a pas d'avantage malheureusement. Bon, je crois qu'il va être temps de sortir notre armée de réserve. Attention quoi. L'armée de réserve de Ceylan est dans la place. Yo yo. Parce qu'on a beaucoup de troupes ici, mais malheureusement ils sont complètement de l'autre côté. Donc on va remonter là aussi. Ici on se pointe. On a Stakwa et Pleyemenid, je crois. Ah non, ils s'enfuient là. Non, il n'y a plus que des Mamelouks ici. Là ils sont quand même très très en force. Si on se met en marche forcée, il y a moins de se casser. Ouais, il y a moins de se casser. On va se casser. Ça sert à rien de faire une bataille perdue d'avance. Hop là, période difficile. Oui, donne-nous des troupes, Marwar. On a perdu Mumble. Ok, je sais pas comment je peux perdre Mumble, mais pas le jeu. Allo, allo. Oui, ah, petite déconnexion. Ah, petite déco, ouais, on a... Je sais pas trop comment je peux perdre le jeu et pas... Enfin, Mumble et pas le jeu, mais... Moi non visiblement, plus. C'est possible. Pourquoi pas. Ok, donc là, on a 73 000 hommes. Bien énervés. Il faut qu'on rapatrie des troupes. Alors, vraiment. Pointez-vous, les gars. Ah, on a terminé un siège, je crois que c'est le bon. Alors attends, j'envoie un mec convertir vite fait. Je suis en train de prendre une belle défaite, j'essaie de renforcer. Vous allez vous foutre en marche forcée, puis vous allez tracer sur ces cons. Ici, marche forcée, vous descendez là. Ici, marche forcée, vous descendez là. Ah oui, putain la vache, je t'avais pas vu. Le fort vient de tomber, j'essaie de venir. Oh mais sinon ça devrait... c'est pas grave hein. Tu veux. Ouais, attends, je vérifie mes mouvements, c'est bon. On est pas mal. Il y a 110 000 Mamelouks chez moi. Ils sont en train de s'énerver. Oui, 5000 réserves de la part de Marwar. C'est très bien. Ça devrait. C'est bon. La bataille a été inversée. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Le progrès des 100 Sélanaises en vaut le prix. 5000 ducats. Il faut que je paye 5000 ducats. Sinon, mon conseiller se barre. Après, je gagne 1 en innovation, quoi. Oui, allez, mais pourquoi je réfléchis, enfin, 5000 ducats c'est que dalle, on va prendre un emprunt, ça tamponne quoi. Ici par contre ses alliés sont partis, enfin ses armées sont parties, donc on va complètement se préparer à avancer. Il a décidé de se barrer avec ses 110 000 hommes là, merde putain je voulais m'arrêter là, voilà. On a pris 10 000 emprunts, c'est pas grave. Alors, bah ouais, ici il y a un beau fort de level 8 qui te bloque, hein, c'est ballot. Je suis bien désolé pour toi. Adjuran il va à Téhéran. Les territoires de Passaï ont été pris. La Transoxiane. Merde, on a les partisans du prétendant de la Grande Horne, ils se sont soulevés sous mes pieds. C'est triste pour vous les mecs, mais vraiment, je suis désolé. Ici vous voulez pas aller plus vite que ça. Oui, t'as du monde chez toi. Ouais, bah y'a toute l'armée des Mamelouks qui est là, je pense, hein, il a fait le tour. Bon, ici, on prend l'attrition pour rien. C'est vaste, hein, son territoire, quand même. Hein. Peut-être que la Transoxiane, tu veux que je la sorte, non? Ouais, je pense qu'elle va... on va pouvoir, là, je regarde un peu où je peux poser des renforts pour aller m'occuper des Mamelouks. On va garder un général dans le coin. Ouais, c'est pas trop mal. J'aimerais bien me faire Adjuran. Je pense que tu peux la sortir là, la Transoxiane, hein, sans trop de stress. Si tu veux, du blé ou file-moi des territoires. Si tu peux me donner au moins Gurgange. Tiens, regarde cadeau. Allez.
Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Alors attends, j'aurais vite fait si mon vassal avait des revendications sur des trucs. Non. Moins 1. Donc on va les prendre pour nous, du coup. Comme ça on consommera nos points par la même occasion. Parfait, donc ça c'est fait. On a des gens en exil, mais bon, c'est pas trop un problème. Ici, vous venez regrouper là. Ici, bah vous terminez les mouvements que vous étiez en train de faire. Vous, vous êtes qui, vous? 8000 hommes, là. Vous êtes qui? Ah non, mais j'ai 8000 hommes qui se baladent, là, je veux dire, à un moment. Voilà, quoi. Hop là. Alors, ah oui, non, pardon, c'est toi qui avais mis la pause. Ouais. Bon. Le même look. Attends, avant que t'enlèves la peau, je vais jeter un oeil vite fait. Est-ce qu'on l'a laminé ou est-ce qu'on a vraiment fait de la merde? Ah, il y a plus que 480 de réserve militaire, 127 mercenaires, donc on l'a quand même bien laminé. Hein. Il a un petit peu mal aux fesses. Tu m'étonnes. Ah, j'ai plus de troupes que toi, c'est marrant ça. C'est possible. Bon, le Yémen. Ah, le Yémen, il me saute dessus là. Attention. Ne faisons pas n'importe quoi, un général, hein, s'il vous plaît, voilà, toi. Hop. Bah écoute, quand tu veux. On va se faire 33 000 yéménites s'il continue d'avancer vers moi. Au niveau flotte, je suis déçu par contre, hein. Je pensais pas qu'ils étaient aussi violents, ils ont dû prendre des doctrines. C'est possible en effet. Voilà, je m'enlève un malus que j'avais. Tant que j'y suis, tiens, attends. Hop. Vous faites quoi? Vous faites rien? Pourquoi vous faites rien? C'est un scandale. Allez donc assiéger ce truc. Mais des gens qui ne font rien, je veux dire, à un moment. Arrêtez les conneries. Mais... Quel con. Bah, je sais pas ce que t'as fait, mais c'est encore la pause, donc tu peux l'annuler. Ah non, je ne peux plus l'annuler, mais c'est pas grave. Voilà, c'est bon, ça a réglé. Allez, c'est parti. Non, on règle bien. Joseph, totalement même. Alors, ici, il y va. Même si on a un général 3 étoiles et 20 000 hommes qui arrivent en renfort, il y va. J'espère que ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de monde derrière. On va casser du bateau. Non, on casse du yéménite. Parfait. Hop. Là, on va choper ces 2000 petits infidèles. Alors, les forts, les sièges sur les provinces côtières, ça fait mal quand même. M'étonne. Sans blocus. Allez, on devrait le pécho. Ici, on a 80 000 hommes qui sont prêts. C'est pas assez. C'est pas assez. Vous allez terminer votre mouvement là. Ici, alors attends, il y a un type qui se balade chez moi, j'aime pas trop ça là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fuit facilement les combats navals quand même? Chiant ça. On peut pas le choper, c'est con ça. Il va où? Il va à Gurian, on pourrait peut-être l'avoir à Gurian. Hop là, allons-y. Ici, marche forcée. Ah, en marche forcée, on le chope. Alors, un changement de plan. C'est toi qui prends le commandant, finalement. Et on va l'écraser à Juran. Je pense que ça devrait le calmer un peu. Alors, on a de nouveau 41 000 yéménites qui se baladent par là. Pas de souci. Pour l'instant, le thème, c'est de s'occuper des mamelouks. Le fort dans les montagnes, là. Oh, ils vont tellement douiller quand je vais attaquer ça. Alors ici on a des yéménites qui se baladent, attendre qu'ils se loquent. Voilà, on saute dessus. Ok, on a quand même 120 000 mamelouks, hein. C'est pas du pipi de chat non plus, du coup. Et en plus on a 41 000 mecs qui se pointent derrière. Ici, on va prendre un général. On va enlever la marche forcée et on va aller choper ces cons.
Ici, on va enlever la marche forcée. Voilà, les troupes sont arrivées, c'est parfait. En avant les mecs, bougez-vous. Ici. Marche forcée, regroupez-vous. Ici, je sais pas pourquoi vous êtes pas regroupés, mais vous allez vous regrouper. On a plus personne là, très bien. Là on a 20 000 et 20 000. 20 000 et 20 000, vous allez là. Où sont leurs bateaux? Ils sont loin leurs bateaux, hein. Je pourrais peut-être faire une petite tatane vite fait. Hein. Profites-en, normalement ils sont par chez moi. Bien que j'ai l'impression qu'ils reviennent. Ouais, ils reviennent. Hein. Ouais, on a combien de galères? On a plus de bateaux lourds et plus de galères, je pense qu'il y a moyen. C'est du bateau léger quasiment. Alors, pause. Ils sont en train de bouger, bien sûr. Donc faut pas que je prenne celui-là. Ça c'est celui de la 6ème armée. On prend celui de la 2ème armée. On se met en marche forcée et on leur saute à la gorge. On arrive le 22 novembre et eux ils se barrent. On va les choper, parfait. Marche forcée par tous les mecs. En avant. Vous êtes pas en marche forcée vous? Vous arrivez quand si vous vous mettez en marche forcée? Je crois que tu lags jeu. Jeu? Allo allo? Tu m'entends là-dedans? Oui pardon, ouais, excuse-moi, excuse-moi, je t'ai concentré. Non non mais c'était pour être sûr, j'ai cru que la connexion était définitivement décédée mais non non. Non non non, j'étais en train de réfléchir à mes mouvements, excuse-moi. Non non, je suis bien. Tout va bien. Parfait, donc là on va intercepter des gens. En montagne avec un fort, donc ils vont prendre très très cher. Ici on va intercepter des gens, en montagne sans fort, donc on va prendre très très cher, mais c'est pas un problème. Parce qu'on est plus nombreux. Ici, on va envoyer du renfort. Ici, c'est parti, vous aussi en renfort. Là on a 41 000 hommes qui vont se pointer. Allez, c'est là qu'on va voir si mes forces sont efficacement placées, parce qu'on va les choper entre le marteau et l'enclume. Quelque chose de mignon, quoi. Donc ici, on y va à 80 000 avec 40 000 hommes de renfort. Hein. Et ils ont un bonus de moins 2. Voilà, allez, vous aussi, pointez-vous. On a remporté un siège, très bien. Cette bataille là c'est gagné, et cette bataille là c'est gagné, parfait. Petite pause. Qui c'est qu'on va attaquer ici? Le Yémen se replie ici, en bas. Mais viens. Mais viens Yémen, je t'en prie. Fais-moi plaisir. Vous c'est plus la peine, on se détend. Vous non plus, la marche forcée on arrête. Ici vous êtes déjà loqué, donc vous allez vous arrêter là. Vous, les 20 000, vous allez faire demi-tour. Vous allez là, donc ici on va choper ces cons. Bon, on leur a fait bien mal. Au Yémen, ça se passe comment? Ça se passe bien. J'ai l'impression en tout cas. Ah, il y a encore 50 000 mamelouks dans le Biapas, hein. Ils résistent les mecs. Hein. Donc ici on les a mis en déroute totalement, ce qui est cool. On va essayer d'aller un peu par là des fois qu'ils s'arrêteraient, mais je pense pas. Alors, notre armée là elle a bien pris cher, on va l'envoyer à Hormuz se refaire. J'enlève la peau, c'est bon pour toi. C'est bon. Hop là. Non c'était juste, hein. Celle-là elle a presque plus de morale hein, cette armée. Voilà, on a stack wipe les Yéménites, c'est parfait. Alors, je sais pas où vont se replier les Mamelouks par contre. Je sais pas s'ils vont aller jusque chez eux ou pas. Ouh, ici on a 26 000 mecs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se replient. C'est marrant, je viens de recevoir un truc comme quoi Passa, ils viennent m'insulter. C'est assez drôle, sachant que j'ai pris tout leur territoire et qu'ils ont plus rien, tu sais. Genre. le ouais troll, tu sais. Vous êtes des vilains. Ouais, c'est ça. Ça me l'avait jamais fait ça encore, un pic contre Kishangar et que je l'ai battu, il m'insulte. C'est vrai que c'est assez rare. Le... j'ai jamais vu. Oula, mais il y a 100 000 hommes par là, je vais peut-être me barrer quand même moi. Où ça?
Bah, ceux qui se replient là. Ouais. Ah oui, bah, je sais pas où est-ce qu'ils se replient, mais ils sont presque remontés en morale, effectivement. Donc, je vais les poursuivre. On est beaucoup trop nombreux ici. Voilà. Non, t'as fait de la merde, je... Attends, je sais pas pourquoi il aime pas les régiments dans cette partie, quoi. Attends, je vais mettre pause, parce que je prends de l'attrition, parce que le jeu est con, ça m'énerve, ça. Ça y est. Vous allez là. Vous, vous poursuivez nos amis Mamelouks. En position, les gars. Ici, vous êtes en marche forcée, ça ne sert à rien. Vous allez ici. Vous, vous allez vous poser là. Voilà. Donc là, ils vont retourner dans leur pays, normalement. Ça devrait les calmer. Alors ici, c'est fait. Le siège est terminé. Alors, on peut pas les choper, malheureusement. Ça va être trop de jeux, je pense. La trêve avec grande horde expirée. Voilà quoi. Ce que j'en pense. Ni chaud ni froid. Alors ici ça va être un combat en montagne, hein, donc ça va pas être facile non plus. Ouais, ça va peut-être être même un petit peu trop difficile en fait. Cassez-vous les mecs. Cassez-vous. 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 Bah du coup cassez-vous pas et crevez. J'ai envie de dire. Puisque c'est comme ça. Bon, petite défaite. 35 000 hommes, ça va. Et pendant ce temps-là, l'intégration de Marwar avance lentement. Mais sûrement. Mais sûrement, non, voilà. C'est ça. On est à 30%, quoi. C'est un peu triste. On peut prendre une tech. Ouais, bon, non, du coup. Tech militaire 29. Ouais, alors, mais on met en cette armée. Ah, puis je peux pas passer à cause du fort. Ça, c'est triste par contre. Du coup, on va scinder, on va faire des sièges. Fais gaffe, hein, il y a 32 000 yéménites qui sont en train de se pointer du côté du Yémen là. Alors. Bon. D'accord. Il est temps de ramener quelques armées. Je sais pas où sont allés se replier les Mamelouks, ça m'embête un peu. Et puis y'a rien à piller, c'est du sable comme coin, c'est bien triste quoi. Qu'est-ce que vous foutez à 74 000 ici là? Vous déconnez ou quoi? Ça me donne n'importe quoi, c'est complètement n'importe quoi. Je vous ai pas appris à vous battre comme ça quoi, non mais sans déconner. Ok, eux ils se sont pliés à Hormuz, parfait. Alors, ok, ici ils attaquent Dali. Bah Dali, je suis désolé, je crains de ne pas pouvoir être là à temps. On va quand même y aller, ils sont en train de se faire tous nos vassals quoi. Et moi je suis bloqué comme un con par mes forts, enfin par mes forts, par des forts. Ici on va essayer d'attraper ce connard. Alors je ne le vois plus le Yéménite, attention. Il pourrait être en train de faire de la merde, voilà, genre comme ça. Genre là il fait de la merde par exemple, si je peux me casser. Je peux pas me casser, très bien. Du coup on va l'accueillir. Ici, en marche forcée. Ici, est-ce qu'on pourrait y aller? Oui, on peut laisser ce qu'il faut pour le siège. Ouais, si on met ce qu'il faut pour le siège, ça suffit. Ah, mais faut que je fasse le tour, fais chier. C'est quoi ça? C'est du littoral, hein. Ça va être Tandax. Ça va être Tandax. Ici, on va laisser... un mec. Et le reste en marche forcée en avant. Ici c'est pareil, on va se mettre en marche forcée dès qu'on peut. Ah, il y a des révolutionnaires mamelouks qui ont popé sur les territoires qu'on a pris quoi. Hein? Comment ça la bataille? Mais comment il a fait pour me stack wipe aussi vite là? C'est quoi ce délire?
What the fuck? Ok, alors là j'ai pas compris, je dois bien l'avouer. T'as quoi, Ip? Bah je sais pas, il a réussi à gagner sa bataille tellement vite que mes troupes qui étaient juste sur la province à côté ont pas eu le temps d'arriver. Ah, attends, je suis atteint ma... Je suis atteint pour la première fois de la partie, oui je sais par rapport à toi, ma limite de points dans quelque chose. T'as une limite de points. Ah, t'as une limite de points, d'accord. Ouais, je sais, pour toi c'est classique. Hein. Du coup, non. Hop. Allez. Pas ça. Bon, on va améliorer alors, les troupes. Cette fois, Yemen, tu m'as énervé par contre. Du coup. Voilà. On va s'occuper de tes fesses, mais grave. Demi-tour. Ensemble de doctrine, on s'en fout. Je te laisse t'occuper des révolutionnaires. Ah mais on a 41 000 ici, Ouais, 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 ouais. J'ai des mecs qui glandent, je vais m'en occuper, c'est bon. Non, vous n'êtes pas là, vous. On va aller jusqu'ici, s'il vous plaît. Alors, les emprunts, on va en rembourser quelques-uns, hein, parce que je rappelle qu'on avait pris plein d'emprunts, à cause d'un événement pourri. C'est bon pour toi, je peux aller à la pause. T'avais plein d'emprunts, je m'en souvenais même pas. Si, j'ai eu un truc à la con qui me demandait de payer 5000. Ah oui, c'est vrai. Ok, donc on va se remettre ici en sécurité pour faire le siège tranquillement. En soi, tout le monde est en faible, hein. On pourrait dégager. Alors, demande de représentation, perd des points de minuit. Alors ici, on y va, on a notre général. Est-ce qu'on y va sans renfort? Ouais, je suis pas bien sûr. On a vu ce que ça donnait. En même temps, si, ça c'est du littoral pourri. Bah oui, il va à Sada, on va plutôt aller là. Je peux le sortir, l'Yémen, hein, si tu veux, par exemple. Ou... Bah, il m'a stack wipe une armée, donc j'ai moyennement apprécié l'idée. D'accord, donc t'as envie de te venger? Bah écoute, je pense que ça va être assez vite vu. Coût de l'annexion diplomatique plus 10%. Ah ouais, carrément. Qu'est-ce que c'est cet événement pourri? Merci, quoi. Alors cette fois j'ai un général, j'ai plus de troupes, je suis regroupé. Je vais te mettre une grosse fessée dans la tête. Vous vous pointez. Ça va bien 2 minutes de glander. Hein. Les nobles perdent 15 en loyauté, j'en ai rien à foutre des nobles. Alors un point. T'as des points dignitaires, tu peux péter les murs hein, si tu veux gagner du temps. C'est vrai. Je le redis, hein, c'est... Ici, ils se sont enfuis, les enfoiros. Du coup, on est coincé, le temps que le fort tombe. Du coup, arrêtez-vous, vous. Non mais, vous réjouissez pas trop vite, hein. J'ai 41 000 autres hommes qui se pointent dans votre dos, là. Puis il y a l'armée que vous avez tapée tout à l'heure qui va revenir se venger d'entre les morts. Allez, ça tombe ou ça tombe pas ce fort là? Parce qu'à un moment faut arrêter les conneries. C'est où d'ailleurs la capitale du Yémen? Ah c'est vrai qu'il est balèze le Yémen encore. Ouais. Voilà, le siège est tombé. Alors là les gars par contre... Je peux sélectionner cette armée ou pas? Ouais, merci. En avant. En avant. En avant. Ici, on va se détendre 2 secondes, on va prendre un général. Toi tu fais rien. Ah mais on a des trucs à convertir, mais oui. Donc là ils sont 41 000, donc on va éviter d'y aller à 41 000. Par contre on va se mettre là, s'ils veulent m'attaquer je les attends. On va se regrouper et on va se faire la technique VS Mamelouk. D'ailleurs le Mamelouk il doit commencer à revenir sur le terrain à un moment là, non? Avec toutes ses troupes. Non? Ah bah oui, voilà, je savais bien. Il est en train de retourner au Biapas. Bon! Alors, tu te sens un peu cerné ou pas là, Yémen? Parce que moi je dirais que t'es un peu cerné quand même. Hein. Allez, c'est parti. Parce que moi j'allais séparer en deux mes flottes.
pouvoir me jeter sur celle de celle des Mamelouks que j'arrivais pas à choper. J'ai séparé en deux mes flottes, je me suis déplacé tranquillement et hop. Et là ça y est, j'ai bloqué ces 110 bateaux aux Mamelouks. Laisse-moi te dire que ça va faire mal. Hein. Sauf qu'il fuit, bien évidemment. Hop là, bataille terminée. Donc ici on va faire un petit siège, on va aller s'occuper des trucs qui traînent. Bon, on pourra pas traverser tout de suite, c'est pas trop grave. Hein. Je sais pas où ils sont partis, tu les as butés les 40 000 révolutionnaires Ouais, ils sont venus sur moi. Ah, ils sont venus sur toi. Oh bah vous vous arrêtez là, Yémen. Oh, bah. Un membre de la noblesse assassiné. Ah bah ils regagnent un peu en loyauté les nobles, bah oui, assassinez-vous entre vous, je m'en fous complètement. Hop là. Tu veux bien décéder Yémen, s'il te plaît? J'apprécierais beaucoup. Ah, il veut pas, hein. Il veut pas décéder. On va continuer de le poursuivre, hein, c'est pas grave. Allez, on va y aller à 80 000. Je pense que ça devrait suffire, ouais, ça suffit. Alors du coup, j'occupe la Meg, parfait. Donc du coup, le Mamelouk il est en train de remonter. Ah mais tu t'occupes de lui en fait déjà. Non mais là... Ah ouais. Mais il y a du Yémen en haut là. Oh, bah oui. Tu prends un gros malus, enfin double malus, bien merdique par contre. Ça devrait le faire quand même. J'avais pas vu mais il est en train de m'assiéger. C'est un fort de level 8 ça? Ah c'est un fort de level 2. Oh, quelle honte! Un fort de level 2. Oh mais les mecs vous déconnez. Bon. Oh. Arrêtez-vous et passez en marche forcée. Arrêtez-vous, passez en marche forcée. Je pense que ça va être une guerre bien maîtrisée, hein. Malgré tout, finalement. Final. Je sais pas si maîtriser est le mot, mais on va la gagner, quoi. Ouais, bah en même temps, ouais, bah on est. Point était tiré, hein. Si tu veux si tu veux sortir le Yémen et puis me donner des territoires, ou juste prendre des blés. Fais-toi plaisir. Donner à Selan, tiens, c'est dommage qu'on puisse pas le faire en masse, mais hop, bah tout en fait, mais tout de chez tout quoi. Alors, le même look, il va faire tout le Yémen. Le Yémen, il avait de la ressource quand même, hein, la vache, ses armées elles en finissent pas de crever quoi. Ouais. Bah heureusement qu'on n'a pas eu l'ottoman en plus quand même, hein, ça aurait été chaud. Hein. Bah on n'aurait pas pris, on l'aurait pas appelé en co-belligérant quoi. C'est sûr. Yeah. Alors le Yémen. Il avait un potentiel de 104 000 hommes quand même le Yémen, hein, donc forcément, faut les gérer. Puis on n'a pas d'avance technologique particulière, même si j'aurais pu en prendre une. Il n'y a que des nouveaux canons entre guillemets. Négocions pour notre... Attends, effacez-le, je veux pas faire de bêtises, voilà, Yémen. Directement au Yémen. Hein. Ouais, hop. Et on pourra arrêter, je pense, sur la sortie du Yémen. Bon, pas d'or, mais de toute façon, l'or, qu'est-ce que l'or aujourd'hui? Mais. Qu'est-ce que l'or? C'est quoi ce truc là? War Sangali. Regarde un peu ce qu'il y a. Non, et bah pas d'or, mais par contre. Allez hop! En moins. Oh, c'est cool, merci. Oui. T'essayes de faire comme je t'ai fait, hein, et de me caler une surexpansion pour Sina. Je te vois c'est venir. Ça. Je te vois venir avec tes gros sabots là. Pas du tout. Allez. Pas de vengeance, rien. On va s'occuper des Mamelouks. Enfin non, on va s'arrêter là et on s'occupera des Mamelouks lors du prochain épisode. C'est ça. J'espère que cet épisode vous aura plu et du coup, bah, on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.